découvrir Men in Black et Gravity en carton. Pour ce concours, nous avons évidemment un jury. Ce jury est composé de trois membres. Tout d'abord, Hélène, qui est co-organisatrice du concours avec Nicopolis et The Geekside. Nous avons Brice Fournier, qui est comédien, réalisateur de court-métrage et qui a joué notamment dans Extrême Pinocchio. Et Pascal Chin, le réalisateur de Extrême Pinocchio, entre autres court-métrages. Merci beaucoup. Nous allons tout de suite commencer avec le premier spédage Men in Black. Et entre les deux spédages, je vous annoncerai... les résultats du concours de vue. Et je vous raconterai aussi ce que c'est le spédage, tout ça, tout ça. Est-ce que vous êtes prêts? Non? Alors on va y aller. Bien, bonjour à tous, merci d'être là. Alors, au nom des Suède Runners, je suis ravi de vous accueillir pour une première mondiale. Vous allez assister au premier suédage non seulement en live, mais en 3D. Une prouesse technologique rendue possible par les jolies lunettes 3D qui sont sur vos sièges, qui sont ravis de vous offrir afin d'acheter votre voix. Voilà, sur ce, sans transition, nous allons pouvoir commencer à raconter l'histoire de Matou. Et donc. Visualisation des débris à 9h. Demande un transport rapide. Oui, il y a eu un...
près des enceintes, quoi, un truc qu'on entend bien pas des écouteurs. Houston à Laval, je suis à bord du Soyouz. Je n'ai plus de carburant et je dérive. M'aider ! M'aider ! Parce que là, on monte. Je crois que je viens de battre le record du monde de la pauvreté en dehors de l'espace. Allons, tirons-nous d'ici. Atterrissage ou démarrage, c'est la même chose. Ah oui. Logique. Ah, vous tirez des décollages, on n'a jamais appris ça. Bon, écoute, Ryan, soit tu restes ici, soit tu pars. Ok, t'as perdu ta fille, soit ta vie est un échec critique. Mais bon, tu peux revenir et sortir de là. Matt, tu peux me rendre un service? Quand tu verras ma fille, dis-lui que c'est mon ange et que je l'aime. Attention. Sachez en tout cas que vous pouvez depuis un mois regarder sur YouTube.
YouTube les deux Suédages en live de ces deux équipes. L'équipe Swed Runner que vous venez de voir, qui a suédé X-Men 2. Pardon. Et l'équipe Team Tesla que vous allez voir bientôt, qui a suédé Terminator 2. Et même si le concours de vue est arrêté, vous pouvez continuer à aller voir leurs vidéos qui sont très très bonnes. Tu vois, il y a 1500 ans, le
L'homme pensait que la Terre était au centre de l'univers. Il y a 500 ans. Tu vois, les gens pensaient que la Terre était ronde. Et plate. Et à peine 20 minutes, on pensait que nous étions les seuls dans l'univers. Imagine ce que le futur te réserve. Je te laisse y réfléchir. Votre chat ? Non, c'était celui de la
Mais maintenant, c'est mon chien. Et vous savez ce que je crois? Je crois que ce corps n'était pas vraiment un corps. Je crois que c'est une sorte de vaisseau ou quelque chose d'autre dans ce genre-là. Tu viens, je vais te faire ta race et tout. Eh tiens, c'était ta tante.
Et ça, c'est ton oncle ? Hein ? Attends, tu m'as déjà flashé le docteur Weaver ? Attends, elle est cool, elle consulte pas. Non, ce n'est pas pour toi, c'est pour moi. Tu vois, je n'ai pas formé un partenaire, mais j'ai formé un remplaçant. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu les étoiles, tu vois ? Elles sont belles. Jour, mois, année. C'était sans répétition. Ah, c'est presque fait. Merci. Moi, c'était Men in Black comme vous ne le reverrez plus jamais. Et comme je ne l'avais jamais vu. C'était intéressant. Ça manquait un peu de carton quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, pendant que le jury va se concerter, je vais vous annoncer les résultats du concours de vue. Alors, avec 979 vues, arrive en deuxième position Terminator 2. Et avec 1047 vues, ça s'est joué à rien, arrive en première position X-Men 2 par les Speedrunners. Essayer de trouver les événements importants pour que tout le soignage
normal, sois cohérent, qu'il n'y ait pas une succession de scènes sans comprendre qui est qui ou comment on arrive là. Ensuite, donc une fois qu'on a revu le film, qu'on a pris les scènes principales, épurer les dialogues, les scènes des dialogues aussi, quitte à changer un petit peu le montage. Et une fois que le script est validé par tout le monde, on cherche comment utiliser, comment... Comment intégrer une poupée gonflable et des données de bain. Et comment compenser les différents effets spéciaux avec des cartons ou d'autres astuces. Alors, je vais laisser la parole au jury qui va vous annoncer les gagnants de ce concours de sphédage. Alors, bonsoir. Comme vous pouvez l'imaginer, ça n'a pas été facile. Comment dire, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais vu, donc avant de donner un jugement, il a fallu qu'on s'adapte un peu notre vue, les couleurs, la lumière, les gens. Ça n'a pas été simple. Voilà, les deux tiers du jury dans le groupe. Alors voilà, à l'unanimité, d'accord, à l'unanimité, je pense qu'on vient de dire qu'on peut annoncer le grand gagnant et éventuellement le prix spécial du jury. Voilà, il y a un gagnant et il y a un prix spécial du jury. Le suspense, c'est un secret. Donc, alors le gagnant. On a pris des notes. Alors, le grand prix est attribué à... Gravity. Maintenant, le prix spécial du jury, avec une mention spéciale pour le micro. Pour le micro courage, est attribué à Men in Black. Merci beaucoup. Donc les participants du concours de sphédage ne repartiront pas les mains vides, parce qu'ils vont tous avoir un manga. Mais oui, tu peux aussi. Et surtout, ils vont tous repartir avec un bilby gonflable, parce que ça, c'est aussi déjà un peu du sphédage. Merci beaucoup d'avoir été présent pendant ce concours et d'être resté jusqu'au bout. Merci. Et si vous pouvez simplement nous renvoyer nos cailloux en mousse. Ça sera. Vous pouvez déposer les cailloux en mousse à l'entrée en partant. Merci beaucoup. Bonne journée sur le festival de Geekopolis. J'espère que vous